Bonjour tout le monde, comment vous? Alors, je vous dis à vous décider de réaliser cette vidéo sans pour non façon pour nous faire un parallèle entre Haïti avec le Brésil. Mais un grand bagage pour nous est très important. Ou même pour regarder la vidéo, ça, il y a une façon pour supporter nous. Comment on fait ça? Abonnez à la chaîne là. Les abonnés à la chaîne là, c'est une façon pour encourager nous. Pas oublier de quitter un like pour nous. Et puis commenter. Réagir selon nous-mêmes. C'est à partir des réactions que nous allons faire une analyse pour nous joindre un résultat. Just quitte un like pour nous, quitte un commentaire par là, et puis abonnez à la chaîne là, pas changer. Haïti, c'est un peuple qui est très ignorant. En plus, fois, il y a en Haïti, il n'y a pas de travail, mais les gens qui jeunes qui sortent en Haïti, qui entrent au Brésil, ils ont fait sentir que son pays, ils ont passé misère, ils n'ont pas mangé. Mais normalement, ici au Brésil, il y a une structure qui est bien organisée. On regarde les pays éclairés avec lumière. Et l'électricité, c'est la base de développement dans tout pays. Mon terme est utilisé pour ça, qui est la viabilisation. L'État lui-même, lui, déposé en point, lui, viabilise le pays de manière générale. On regarde le courant, ça, on regarde les pays éclairés. Et on regarde les phases, ça, il y a un ensemble de lumières jaunes. L'État pays a bien organisé, il met ensemble des techniciens qui a contrôlé presque chaque jour. Ils sont capables de changer la lumière était jaune. Eh bien, si tu nous parles d'une période qui marque décembre, ils ont changé toute lumière blanche a éclairé le pays. Ça, c'est le premier avantage que les gens qui vivent au Brésil gagnent comparativement avec Haïti. Haïti, nous passons tout le temps dans le fait noir. Même un jour, nous n'avons pas de chance pour nous gagner un leader qui finit avec un objectif visé, un objectif bien déterminé qui dit de venir faire pays. Et dans une façon pour le viabiliser le pays. Même si nous n'avons pas de l'autre bagage, mais le pays a été viabilisé. Nous avons l'électricité, nous avons de l'eau, nous avons une route. Eh bien, n'importe entrepreneur qui a soutenu dans n'importe pays, il vient investir dans le pays. À partir des investissements entrepreneurs, c'est là, nous les jeunes, nous avons une possibilité, nous-mêmes qui avons la faculté, qui apprennent, qui ont une profession, un diplôme dans mes noms, nous avons pour nous déposer expertise. Mais dommage, en pile dans nous, dans l'idée de nous, ils ont été, c'est seulement parler, mais ils n'ont pas posé action, ils n'ont pas fait action. Mais pas oublier, courant, c'est la base de développement dans tout pays. Si un pays a fonctionné, il n'y a pas de sol dans le galère là, ouais. J'ai un pays à clé, j'ai un électricité, ça, yo. Bien organisé, hein. Eh bien, si pas un pays a pas gagné, m'a pas bon menti. Pourquoi un pays? Et m'pense que c'est à partir de ça, ou pour adjoindre ça qui relève emploi. Parce que les pays a bien structuré, pays a viabilisé. Quel que soit le pays, il y a qui vient l'argent, à Kavin dans le pays pour investir et pour créer un job. En plus, fois, il y a un monde qui dit l'État n'a pas fait rien, l'État n'a pas fait rien. L'État, pas l'État seulement qui a fait un job. Dans tout pays, ce n'est pas l'État seulement qui a fait un job parce que le secteur privé est lui-même là pour créer un emploi. Mais l'État a pour devoir pour venir viabiliser le pays de la façon. Pour entrepreneurs, j'ai une possibilité pour nous venir investir. En Haïti, où est le monde aujourd'hui? Dans 2-3-4 minutes, on parle avec le téléphone, on dit que pas jamais entendu le monde, ça va faire moi, on va attendre encore. Ça cause ça. C'est parce que le pays a fait noir. Le pays a fait noir, c'est ou obligé de prendre le téléphone dans tous les jours ou prêt à l'acheter. Ou prêt à l'acheter charge pour mettre le téléphone. Je pense que c'est une minute de téléphone que nous allons acheter. Nous n'avons pas besoin d'acheter pour recharger le téléphone. Nous avons besoin de 3, 4, 5 dollars pour recharger le téléphone. Pour nous n'avons pas besoin de ça. Et si nous avons un pays, nous avons un ensemble de leaders qui ont travaillé, qui ont respecté une sorte de structure qui ont bien organisé, même ici au Brésil, normalement, l'élection va arriver là. Vous regardez le magistrat bien organisé, il commence à faire route, reparler route qui crase, faire toute bagaille, toute lumière qui était jaune, commence à changer, mais le pays est propre.
Eh bien, nous mettons ensemble des leaders comme ça. Les qui ont goûté, goûté ainsi avec travail. C'est un système de création côté nous avons ensemble de politiciens, ils même ils voulaient café en passion l'autre. Eh bien, où ça a déclaré, politicien ça, leader ça, lui-même les venu, les commencer réparer route là. Quel que soit un côté pas de l'eau, et bien ouais, un leader venu, les commencer font pas son premier rentrer de l'eau dans la zone là. Et me passer ça à son gros bataille lié. Et si on bataille, on va bon matin, on est capable de ramener le peuple là vers où? Parce que ça, c'est le premier bagage de notre pays. On peut qu'il y ait la blague, la misère, les bois balancés, ou pas de courant, ou pas de l'eau, ou pas de route, ou pas de tout notre pays. Et bien, plein de monde qui est en Haïti a critiqué les jeunes qui viennent au Brésil, a critiqué les jeunes qui viennent au Chili. C'est comme quoi, ils n'ont pas besoin de manger, ils n'ont pas passé misère. Non! Mes pays, pays éclairé. Nous avons besoin d'un seul leader pour faire ça pour nous en Haïti. Nous avons besoin ensemble des leaders qui vont mettre tête ensemble pour mettre un système en Haïti pour payer l'électricité là-dedans, pour moun ka circuler l'île libre le soir, nous capables de gagner pour les gros jeunes garçons qui ont l'argent en main. Ils ont investi, ils ont venu en Haïti, normalement, ils créent des business tous les soirs. 9, 10 heures, 11 heures, mon nan la rue, y a enjoy, y a boire manger, parce que pays a électrifié. Je pense que c'est très important. Donc, leader en Haïti, je pense à la communion. Je vous dis à commencer à changer d'alternative pour viabiliser pays en Haïti. Donc, cette vidéo, ça va être réalisé pour nous, une façon de faire un parallèle entre Haïti avec Brésil par rapport avec le monde qui a critiqué les jeunes qui sont en Haïti et le Brésil. Pas oublier ça, même, bon façon pour capable supporter. Donc, pas oublier toujours commenter et puis abonner à la chaîne là, non façon pour capable supporter nous, non façon pas. Toujours quitter un commentaire pour nous. Pas commenter, ça fait nous plaisir en pile et nous sentir nous très grande redevance envers vous. Merci en fait.